Nous sommes de retour en Belgique pour cette manche du championnat du monde de Formule 1. Il s'agit d'un circuit mythique sur lequel Ayrton Senna a remporté 6 victoires, mais c'est également ici que Michael Schumacher en 1992 et Charles Leclerc en 2019 ont décroché leur première victoire en Formule 1. Nous sommes aujourd'hui à Spa-Francorchamps, un circuit qui s'étend sur 7 km avec de nombreux dénivelés. 19 virages le composent, dont 9 à droite et 10 à gauche. Ce tracé est un régal pour les fans de vitesse pure, la vitesse moyenne au tour pouvant atteindre plus de 230 km/h. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Russell, Sergio Pérez et Hülkenberg, Hamilton, Norris, Fernando Alonso et Tao, Albon, Zhou, Pierre Gasly et Vettel, Bottas, Tsunoda, Lance Stroll et Kevin Magnussen, Ricciardo, Mick Schumacher, Ocon. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Et Nicolas Latifi. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Je salue chaleureusement Nicolas Martin qui m'accompagne dans la cabine aujourd'hui. Pouvons-nous commencer par parler de Charles Leclerc? Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end? Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive, mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. Le tour de formation a débuté et les monoplaces commencent à parcourir les montées et descentes de ce circuit naviguant au milieu des Ardennes belges. Comme à leur habitude, les fans se sont déplacés par milliers et l'atmosphère est incroyable sur ce circuit. Nous sommes quasiment prêts pour le départ. Alors que les monoplaces s'alignent sur la grille, pilotes et écuries n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux.
se conclut sur une magnifique victoire. Félicitations aux pilotes. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous? Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui. On peut être rapide sur un tour, mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde. Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même. De cette façon, il parvient à prendre la tête du peloton. En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique. Ferrari est de retour. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Carlos Sainz conforte sa place de leader du classement. S'il continue comme ça, le titre sera bientôt à lui. Nous avions une belle brochette de talents en piste aujourd'hui, Nicolas. Mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? Daniel Ricciardo m'a beaucoup impressionné aujourd'hui. Il a réalisé une performance incroyable. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Ferrari continue de creuser l'écart en tête du classement. Alfa Tauri continue son ascension au classement grâce à une performance admirable ce week-end. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés.